لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ سلاف بيان فنو سيوماشن مون بروف اديستانس Donc, euh, dans cette première partie de notre leçon développement et factorisation, on va voir un test diagnostique, page 130, Et le premier paragraphe, développement et factorisation. Et le deuxième paragraphe, réduire une expression littérale. À partir de l'activité 1 et 2, page 131. Et avant de commencer cette première partie, je signale ici que cette leçon-là, c'est l'une des leçons les plus importantes. ديال هاد الموسم باسكو لانه كيحتوي على واحد النوع ديال الحساب اللي خصنا يعني يعني نضبطوه مزيان يعني الفو بياميتريزي يعني بور افونسي او ماتيماتيك باش نتقدموا في الرياضيات باسكو ابري يعني من بعد غادي يعني غادي نبداو نستعملوا ما يسمى بالحساب الحرفي او لو كالكيل ليترال ستادير ان كالكيل كيحتوي على ديلتر يعني واحد النوع ديال الحساب اللي كيحتوي على الحروف mais il l'a aidé d'appliquer à l'erreur il ya d'être mais je voulais ce sont des nombres inconnus et il faut bien bien, bien maîtriser avant d'abord le calcul ou bien les opérations sur les nombres décimaux relatifs aux cendres tôt l'améliate à l'aide à l'achat rien n'est ce les nombres

donc, le standard de qui est le nombre connu, c'est-à-dire de l'homme. Donc, le tarbe, le kisma, tarb, le, quismar, ou le jamar, etc. Et je vous laisse avec notre test diagnostique. Donc, euh, voici notre test diagnostique, Par 130. Le produit 37 x 99 est égal. Donc ici, la bonne réponse c'est 37 fois 100 moins 1, parce que 99, c'est 100 moins 1. Donc, ici, vous n'allez pas trouver ces résultats-là. Donc le produit 12 fois parenthèse, 4,5 moins 1,5. Est égal. Regardez. Si on, on effectue ce calcul-là, qui entre parenthèses, on va trouver 3. Et là un athlète. Hein. 3 fois 2, c'est 36. Ce n'est pas moins 36, c'est pas 62. Donc, hein, 1, ne sont pas euh, les bonnes réponses. Donc, il restait là. Regardez. Et si on effectue cette opération-là, 54, moins 18, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 36. Et ça. Donc, c'est la bonne réponse. Donc, regardez. Voilà. La somme. 4 fois 5 plus 4 x 3 est égal à a. Regarde. Si on, calcule, on veut calculer cet, exp on veut, on veut cet expression. La priorité, c'est celle du produit. La multiplication. Donc, ça dit 4 x 5, c'est combien C'est 20. 20 plus 12, ça va donner combien 20 plus 12, ça va donner 32. Regarde ici. Elle a 36 plus 3, mais elle... Donc, Ici, 4 fois 8, ça fait combien? 32. Donc, c'est une bonne réponse. Voilà. On passe à cette réponse-là. Regardez. Ici, qu'est-ce qu'on a 4 fois parenté 5 plus 3. 5 plus 3, ça fait 8. 8 fois 4, ça fait 32. Voilà. Une bonne réponse. Donc, on, ici, on a deux bonnes réponses. L'air du rectangle ABCD est égal à. Et Donc ici on a 5,6. Hein, EB B. AE c'est 3,4. Ici, la largeur. Il y a une 1,2. L'air du rectangle ABCD. C'est quoi? C'est quoi l'air d'un rectangle d'abord? C'est la largeur fois la longueur. Quand on A wallard. 1,2. AB. Mais c'est quoi AB? Voilà, 3,4 plus 5,6. Donc, regardez, voilà la bonne réponse ici. Donc, voilà 1,2, un fois la somme de ces deux longueurs. Donc, ça, c'est une bonne réponse. Ici, qu'est-ce qu'on a Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Regardez ici. Donc, ce n'est pas encore la bonne réponse. Donc, on passe au suivant. C'est l'air de ce carré. Hein, de côté. Donc dans longueur x, regardez. Ici on a x ici x. Donc x fois x. Donc l'air de ce carré, c'est x au carré. Ici, c'est quoi? Hein c'est x fois 3. Donc 3x. Ici, c'est 4 fois x. 4x. Ici, c'est 3, 3 fois 4. 3 fois 4, ça fait 12. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va faire la somme. Hein, on va effectuer la somme. Donc, on va dire la somme du L2, x au carré. Donc, on va dire x au carré plus 4x plus 3x plus 12. Et ici, 4x plus 3x, ça va donner...

et la grande base, les y La somme donc quand au ouvre, il donne au quadruple, hein, multiplié par la hauteur, l'air du euh, fait, au C'est ça là, l'aire de d'un trapèze. Mais ici, regardez, on peut calculer aussi l'air de ce rectangle, abkh hein. A, B, K, H, hein on dit c'est le ce le triangle AHD O B K -C. Donc l'air de ce rectangle ABKH, c'est quoi? Regardez, nous avons X. ou hein? AB. Donc 4X. Donc là, on, a dit, on a dit 4X. 4 fois X. Hein? Donc 4. 4 multiplié par X. x.

Quand a la base, fois la hauteur divisée par 2, 2 fois 4 c'est 8, 8 divisé par 2 c'est 4. Donc là, il y a 4. Ici, regardez, ici aussi 4 fois 4 <coughs> fois 2, la même chose, 4 fois 2 c'est 8, divisé par 2 c'est 4. Donc il y a AH fois DH divisé par 2, c'est-à-dire 4. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire la somme. On a le rectangle. Ou les deux triangles. Donc 4x plus 4 plus 4, ça va donner 4x plus 8. Donc voilà la bonne réponse. Maintenant, on passe à notre premier paragraphe. Donc, euh, à partir de cette activité-là, c'est-à-dire l'activité de pas 131, on va avoir une notion, ou bien deux notions très, très importantes. C'est développement et factorisation. On considère la figure suivante. Donc, euh, on a ACDF, un rectangle, et on a aussi deux rectangles, BCDE et ABEF. Donc, on a, on a un peu comme on a,

C-D-E euh, A-C-D-F Pardon A-C-D-F L'air c'est quoi l'air On a déjà parlé de l'air L'air c'est quoi C'est est le miséha Le miséha il y a l'air Donc A-C-D-F L'air de A-C-D-F Donc on va noter par exemple L'air A Ouai l'air a, -L -A -C d C'est quoi l'air de ce rectangle On sait que l'air d'un rectangle D'un triangle Voilà c'est la largeur fois la longueur. Il y a Tonflad. La largeur c'est K. Et la longueur c'est A. A. A, a y yeah, est, petit a. On a K fois A. Donc, on K fois A. Vous savez. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a Donc, B. B, calculer l'air du rectangle. B, c'est 2e. B, c'est 2e. Qui est hein, coloré en... En jaune, hein, B, C, D, E. Donc l'air de B, C, D, E, c'est quoi? Toujours la largeur fois la longueur, et il y a K, il y a K hein, fois B. Donc K fois B. Vous savez? K fois B. Donc on peut écrire aussi KA. Alors si vous vous souvenez, convention d'écriture, K fois A, la tu vois K, tout simplement KA. Ou est-ce que vous que Tout simplement. Donc, euh, pour, ce qui, euh, pour ce qui concerne la première question. Euh, pour ce qui concerne la deuxième euh, A. Calculer l'air du rectangle A, B, e, F de deux façons différentes. Vous avez vu que vous Donc, la première, euh, ça, ça, c'est-à-dire la la façon la plus <coughs> la plus connue ou bien ou bien la euh, la règle générale qu'on connaît qu hein? ou bien la règle que, habituelle c'est que on multiplie le, le la largeur fois la longueur il y a ici la largeur c'est quoi c'est quoi la longueur regardez la longueur là c'est quoi EF donc la magie elle est là donc EF... C'est quoi? Nous, on sait. Euh, on a DF. Et on a DE, mais on n'a pas EF directement. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la longueur, on B. Donc on va soustraire B de pita Donc, on A Donc on va dire la première méthode. Première méthode. On va dire l'air de, de quoi? L'air de A, B, E, F. A, B, E, F. C'est quoi C'est K fois A moins B. C'est K multiplié par A moins B. Elle dit la première méthode. Vous savez Et a dit la deuxième. Donc, la deuxième méthode, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Toujours l'air de A, B, E, F. Donc l'aire de A B E F. Maintenant, on va changer la méthode. Qu'est-ce qu'on va dire On va vous, dans la, la première question. Aloul, on a ce binaire A C D F. L'aire, le misahadielou ou ce binaire misahadiel à B C B C D E B C D E. Donc il a coordonnées de l'aire A C D F. On a l'air de BCD. on va retrouver ABEF. Donc, on l'air de ACDF, moins l'air de ABEF. ABEF. Mais c'est quoi l'air de ACDF? Regardez, c'est KA. Ou bien K fois A. Donc, KA.

KP. dit la deuxième méthode. Donc regardez, si on déduire. Donc, donc ici, regardez. La première méthode, on a calculé l'heure de ABF. E, de la première méthode. Et de la deuxième, dans la deuxième, on a calculé l'air du même rectangle. Donc, on a rien la méthode. Donc on va retrouver là, on va, euh, c'est-à-dire, euh, la quantité K fois A moins P égale à K fois A moins K2, K fois B. Donc, euh, parce qu'il représente la même quantité. Tiens, donc on va dire 2, 1 et 2. Hein, voilà 1, voilà 2. Il y a 1. Il y a 2. 2, 1 et 2. On dit oui. On dit oui. N'est-ce On dit, oui, on dit oui quoi Que K facteur de A moins B. On dit qu'un goulot facteur. A moins B égale à KA moins KB. donc vous allez constater que pour supprimer à des parenthèses qu'est-ce qu'on a fait là pardon mais je donne de a fois a moins k fois b dit il y a une autre euh, c'est une règle c'est très importante on l'appelle règle de maintenant euh, on a déjà appelé cette, euh, cette règle là euh, les formules de distributivité hein? la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et la soustraction par rapport à la soustraction et il y a une autre euh, règle qui ressemble à celle-là lorsqu'on a ici plus regardez qu'on a k a plus b donc on va écrire ka plus kb ça y est, là il a plus, plus. Mais on va voir en pratique comment on utilise ces, ces, ces règles là, cette règle. Donc, fait le sens. il le sens, on a développé. il développement? y a Le développement. on a développé. il le sens. Hein on a factorisé. On, a, on dit qu'on a factorisé par k. Donc euh, voilà la règle qu'on a vue. Voilà un résumé. Voilà la règle. A, B et K sont des nombres relatifs. K fois A plus B égale à K fois A plus K fois B.

on dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition et la soustraction. Quand vous cadérique, la multiplication est distributive. Quand nous dit k fois a ou quand plus k fois b. Quand la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et la soustraction. Développer une expression revient à écrire un produit sous la forme d'une somme d'une différence. Aujune a développé, ou un que tu vois l'expression un euh, ou un un, un produit. Hein tu vois le jude à père là. A produit. Droite? On a une somme. Donc j'ai jamais moi j'ai là, ou j'ai là j'ai plus Donc une à père a le produit en une addition. On a le produit en une soustraction. Donc une à on a développé. صافي ملي كنرجعو راه كنحولو لاديسيون ديسيون ولا سوتراكسيون او ان او برودوي تتحول تنكتبو هاد الكتابه اللي هي على شكل مجموعه ولا فرق تتولي على شكل جداء صافي فاكتوريزي دونك الفو ديستينغي اونت سي دو نوسيون خصنا نميزو ما بين جوج المفاهيم اللي هي ديفلوبي و فاكتوريزي اكزومبل ديفلوبي ريغاردي ici دونك هاد ليكزومبل هاد المثال غادي نحاولو نجاوبو عليه n à moins 3 facteurs 2x plus y donc regardez n à la k, ou à moins 3 regardez n à donc la... il, faut, il, faut, il, faut, il faut bien euh, maîtriser ce genre de, de, de choses donc voilà à moins 3 ou k. donc regardez qu'est ce qu'on fait donc on va multiplier moins 3 fois 2x moins 3 fois 2x hein? moins 3 2x. Regardez ici qu'est-ce que je vais faire. Donc elle a marqué que c'est plus, elle a qu'elle clique c'est plus moins 3 fois y. Grâce, c'est correct. Oula qu'il me l'a fait dans le moins quoi. Had le signe quand drabou fait le signe. Moins fois moins plus, donc moins fois plus, là on a une multiplication. Donc, a une donc, a une moins fois plus, ça veut dire signe moins que signe moins. Savais. Donc le signe moins moins. 3 fois y. 3 fois y ou 3y. Ou lex 3 fois y. Mais si vous Donc, après, qu'est-ce qu'on fait 3 fois 2x. Là, qu'il y, y a la multiplication. Moins 3 fois 2. C'est moins 6. Donc, on a moins 6x. On a moins 3 fois y. Je crée tout simplement moins 3y. Alors, ici, j'ai développé. Regardez ici. 4 fois moins x. 4 fois moins x. Normalement, on a 3 fois moins x. C'est moins. C'est le, le, le produit. Saufir? Donc, on a dit, moins 4 fois x. A dit, moins 4 fois moins x. Il y a moins 4 fois x. Saufir? Donc, euh, ici, on dire 4 fois moins. J'te. 4 fois moins. Plus 4 fois moins. Plus fois moins. C'est moins.

donc, loka, meo, le cas, c'est mieux le facteur commun. Où est-ce qu'on va trouver le cas il les termes. Donc, il faut, il faut chercher le cas. Donc, vous allez constater le 4. Heina, 4 fois 1. Il a dit 4 fois 2x. Donc, je vais écrire égal, par exemple, regardez. Je vais écrire 4.

dans cet exemple-là, le facteur commun c'est 4. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire Donc, radinctive 4 facteur de 2x plus 1. Voilà, j'ai factorisé par 4. golo on a factorisé par 4. Bien sûr, on va avoir d'autres... Euh, la, la partie d'exercice, les naouli de Bekandir, c'est On a des exemples, aileyum, savez? ici, regardez, on a 15A, moins 6AB, moins 12AC. Il faut chercher ce qu'on appelle le facteur commun. Donc, on a calculé voir on a un on a a a, a. Mais, <coughs> vous allez constater qu'on peut factoriser par un autre nombre plus que, que a. Il y a 3a. Pourquoi? Là, mungkin a? Regardez, a fois 15 moins a fois 6b moins a fois 12c. Mais voilà a une 3a. Regardez, goulou là, 3a fois 5. Y yeah. moins 3a fois 2b moins 3a fois 4c. Donc regardez. A. Hein? Donc regardez bien. 3A, 3a. 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 Voilà notre facteur commun. J'écris 3a. Donc égal. 3a facteur. 5 moins. 2B moins 4C. Donc on a factorisé par 3A. Tout simplement, on passe au suivant. Donc regardez ici. La remarque qui est importante, c'est pour factoriser une expression, revient à écrire une somme ou une différence sous la forme d'un produit. Bien sûr, c'est la définition de factoriser. Hein? Euh, donc, la somme ou la, la une différence, on a produit. Elle est Mais pour factoriser, elle est essentiel. Pour factoriser, on doit trouver le facteur commun. Vous voyez? Donc, il faut chercher le facteur commun. Euh, je vais donner un autre exemple. Par exemple, ici, il a 100 x au carré moins x y, savez? Elle dit c'est une différence, Moins moins Eh bien vous êtes sous la forme d'un produit. Regardez, le facteur commun, c'est quoi le facteur commun ici? C'est x. Pourquoi? Donc regardez, radicule x au carré, raclule x fois x. Elle dit raclule moins x fois y. Donc là où le facteur commun. Voilà. Donc j'écris x facteur de x moins y. Ah, on la soustraction en, un, en une multiplication, mais x ou x moins y. On dit qu'on a factorisé par x. Ça y est. Bien sûr, on verra d'autres exemples dans la partie d'exercice. Maintenant, on va voir une chose très importante, ce qu'on appelle la réduction, ou bien réduire une expression. <coughs> littéral à partir de l'activité 1 page 130. et là l'activité l'activité, on va voir ce qu'on appelle réduire. Tu expression montre que le périmètre de cette figure est égal à 14 pi centimètres La figure, c'est demi -circles. انصاف الدوائر كاين نصف دائره القطر ديالها 8 ها أه؟ كاين ان دومي سيرك دو دومي سيرك كاين جوج ديال الانصاف ديال الدوائر وكاين ثلاثه كاع غير هما جوج عندهم 8 سنتيمتر في القطر في الديامتر وكاين واحد عنده 12 واش كنعرفوا حنا كنعرفوا بان لو بيريمتر دان سيركل ديال الدائره المحيط ديال الدائره سي كوا سي دو بي ار

donc nous le le périmètre de le périmètre de gamma le périmètre de gamma gamma donc le périmètre de gamma c'est quoi le périmètre c'est quoi donc euh, le périmètre de cette arètre c'est quoi c'est D le compte fois Pi le juge donc 8 fois Pi divisé par 2 plus cette arètre 8 fois Pi sur 2 donc on a la moitié de cette arètre 1 plus 12 Pi

on va simplifier. Comment On va factoriser par pi. Je te... Je factoriser b. Donc, on dire 4 plus 4 plus 6, le tout, fois pi. Hein Donc, on a simplifié l'écriture. On a simplifié l'écriture. 4 plus 4, ça fait 8. Plus 6, c'est 14. Donc, 14 pi. Voilà notre résultat. Mais, le, la deuxième question, c'est quoi Calculez le résultat a. Ah, donc, haddak le périmètre de Gamma gamma, gamma wed, hadd shek le nena. Euh, calculez le périmètre. Donc galik, euh, calculez le résultat a 1 sur 100 près par défaut. Henei par défaut radinachdo, l'kimal le iknsmu hena beta frid. Yani radinachdo deux chiffres après la virgule. Donc radinachdo, haddak le deux chiffres après la virgule. Vous savez? Donc, nous euh, avons normalement Puis, la valeur approchée est 3,14. Donc, 3,14 rendra ma Donc, regardez 3,14, 14, 14 euh, Voilà, 14 fois 3,14. Égal à 43,96. Hein? Euh, 43,96 donc 43 égale à 43,96 bien sûr l'air c'est euh, le, le périmètre c'est en centimètres l'unité n'a au centimètres. donc 43,96 centimètres donc ce qu'il faut retenir ici c'est Réduire une expression. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait On a 4pi plus 4pi plus 8pi. Donc, on a, on dit qu'on a réduit. Donc, réduire ou simplifier. Quand on dit réduire ou simplifier une expression littérale. L'expression, revient à diminuer le nombre d'opérations, la composante. la a 4pi. 4 fois pi. Plus 4 fois pi. Plus... Combien 6 euh, euh, fois Pi. Il opération 2, 4 fois. 4 fois 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 opérations. Vous voyez me les simplifie maintenant, je 14 fois Pi. une seule opération. C'est ça la simplification. Donc il simplifie l'écriture. Vous a un nombre d'opérations on diminue le nombre de les opérations. Regardez ici. pour réduire l'expression. 4 fois x plus 8 fois x. Donc, regardez. Donc, pour réduire l'expression, qu'est-ce qu'on va dire? On va écrire 4 plus 8 fois x. Donc, on a factorisé par x. 12x. Hey. Donc on a simplifié, on dit qu'on a simplifié. Vous allez constater qu'on a simplifié en utilisant quoi La factorisation. avec X, donc factoriser un a attends, dit. opération qui est fois plus fois trois opérations, vous Donc on a diminué le nombre d'opérations composant cette, cette expression-là.

Ou Les nombres les connus, les elle de les 2y carré plus 4y au carré. Hein? On va les regrouper. 2y carré plus 4y carré. Plus 3y hein? moins 2y. Plus 1 moins 4 ou bien moins 4 plus 1. Et voilà. Regardez. regarder. Regardez. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire 2 plus 4, parenthèse, fois y au carré. 2 plus 4, c'est 6. Donc, 6y au carré. Regardez ici. 3y moins 2y. Donc, 3 moins 2, c'est 1. 1 fois y, c'est y. Donc, c'est plus y. Moins 4, faites attention. Moins 4 plus 1. La somme de deux nombres de signes contraires. Moins 4, il est derrière 1. Mais on va dire moins 5. Faites attention ici. On va dire moins 4. On va dire que c'est Quelqu'un qui a 4 avec 1, il va dire que 1. Moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Il y a moins 3. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 2 de notre leçon développement et factorisation, on va voir le paragraphe 3, produit de deux sommes. Le paragraphe 4, identité remarquable, à partir de l'activité 3 et 4, page 131. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.